Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de Jojol vs Jojolette spécial Quiz Up. Ouais, vous avez été nombreux à nous demander justement de jouer à ce jeu, donc on va faire cette vidéo. Et le ou la gagnante va se taper une bonne tarte. Enfin, une bonne assiette de chantilly en pleine gueule. Oui. Donc ça va être marrant, j'espère que ça va être toi qui va perdre. Non, je pense pas. Alors, dans ce jeu, en fait, on répond à des questions. Selon différents thèmes, voilà. Ça. Et nous, on va s'affronter sur trois thèmes qui sont... Game of Thrones, Hunger Games et Disney. Voilà. Et donc, quand vous rentrez dans le jeu, hein, déjà le jeu il est totalement gratuit, vous le trouvez sur le Play Store et sur l'App Store, bah, vous avez justement trois thèmes à choisir. Et après, ben, vous allez pouvoir répondre... Bah, enfin, comment dire... Trois thèmes? Ouais, moi c'était trois thèmes, trois centres d'intérêt. Au minimum, mais tu peux en choisir plus. Ah d'accord, on peut en choisir plus. Et après, on peut affronter soit nos amis, soit des personnes du monde. Des personnes du monde. Sur les intérêts qu'on a trouvés tout simplement, enfin, qu'on a sélectionné. Bon, alors on va commencer, hein, on va faire trois parties. Alors Amélie m'a envoyé une invitation, enfin un défi, et bien sûr je vais l'accepter. Attention, ça commence. Donc si jamais on filme pas les deux téléphones, parce que moi j'ai pas envie que Joanne me copie dessus. Hein. Quoi? Ah oui, c'est ça. Et pourquoi moi j'ai rien? Vas-y, je suis décalée. Vas-y, t'as triché. Bah oui. Ah, vas-y, t'as encore triché. Mais comment ça se fait que moi j'ai 36 et toi 39? Parce que je réponds plus vite. Ah d'accord, parce que moi je faisais exprès quoi. Ah merde, mais je suis con. Ah. Frère en plus. Bah, je pense que tu vas gagner là. La dernière question vaut double. Ah, elle, c'est la prostituée. Avec la petite musique qui va bien, quel est le nom de ce personnage? Ah, ouais, c'est l'arbre. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. Quel est le nom de ce personnage? Oula. Waouh. C'est qui lui? Wouhou. Oh, j'ai trouvé. Boum. Non. Allez. Ah, je suis content là. Au moins, j'ai fait une partie où je gagne. Bah, allez, voulez-vous une revanche? Votre assassin a quitté la partie. Et du coup là tu vas me renvoyer une autre partie. Et là on va jouer sur quoi là? Vas-y la musique, elle saoule. Sur Hunger Games. Ok, par contre là je risque d'avoir du mal. Hein. Mais je crois que c'est un peu dur en plus la question. Ah bah j'ai pas joué encore Hunger Games. Bah allez, ça sera la première. Nouveau défi, allez bim, accepté. Avec toujours la petite musique qui va bien. Et les petites animations, elles sont cool, hein, moi j'aime bien. Et vous, vous en pensez quoi? Allez. Au début de Hunger Games, il a essayé de convaincre Cathy de faire quoi? Je crois que... Ah ouais, j'ai hésité. En quoi la robe de Cathy? Mais tais-toi, moi j'ai pas en même temps que toi. Ouais, mais du coup, je sais même plus ce que... Allez, je fais ça. J'ai même pas lu la question, je réponds. Quel est le district d'origine? Tais-toi. Ah, merde. Mais t'es sûr? Que... Merde! Mais y'a... Je suis bête. Bah là, je fais zéro, là. Quelle est le cause? En fait, je crois que j'ai rien compris à Hunger Games, hein, je pense. Hein. Qui est... Mais je connais pas les noms! Putain! Johanna. Ah bah, j'aurais dû mettre ça vu que c'est Johan, mon prénom. Dans Hunger Games, il y a un embrassement. Qui tue Gloss? Qui Gloss? Allez, je vais mettre Finnick, j'aime bien. J'ai mis pareil, ça devait être Katniss. En fait, il faut répondre. C'était Katniss, on est bêtes. Bon, bah écoute, Amélie, hein, t'as gagné la partie avec Hunger Games. Bravo à toi. Zéro. Donc ça fait 1-1. Ouais.
Donc au final, dernier sur Disney. Alors, je suis pas si nul que ça sur Disney, hein, ce qu'il faut savoir. Hein. On va voir. Attends, avec Disney, on peut avoir les musiques? Genre, on écoute de la musique et... Ah non, ça marche pas. Ah, je sais pas, en fait. Parce que ça serait marrant, ça. Ouais, enfin, s'il y avait les musiques, moi, ah, je merde, peux mais qu'est-ce qu'il fait, là? Les musiques, je connais tout, moi. Voilà. Allez, tu m'envoies Disney, là. Et attends, après... Parce que Disney, moi, j'en ai plusieurs. J'ai Disney tout court et j'ai Disney personnages. Disney personnages, ça va être mieux. Mais on a fait personnage Game of Thrones, déjà. Ouais, bon, on va faire ça. Et donc, la personne qui va perdre... va se taper une bonne assiette de chantier en pleine figure. Là, ça va être marrant. Elle rigole parce qu'elle pense que ça va être moi, mais moi, je rigole aussi parce que je pense que c'est peut-être toi aussi qui vas se... Si. Allez. Hop, là, c'est envoyé. Accepté. Boum. Ça m'énerve parce que t'as les questions avant moi, alors tu les dis pas à haute voix, s'il te plaît. Attention. Oh, Alain, attends, j'avais pas trop regardé. Moi, je m'en souviens pas. Ouais, bah t'as quand même eu... Ah, non, t'as eu... Ça, tu l'as jamais vu. Quoi? T'as jamais vu? Elle l'a jamais vu, elle a réussi. Ah, il y a une télé. Hey! Ah merde! Je suis bête, j'ai mis. Merde! Je me suis trompée. Je sais qui c'est en plus. Une fausse réputation, c'est toujours mieux que rien. Non, c'était pas ça. Je savais en plus, ça m'énerve. T'aurais pu me donner la réponse. Bah non! Qui est le nom du cheval de Florent? Rémi, tout ami Rémi. J'ai pas mis Rémi. Oula, il y a eu un bug là. Non, j'ai pas perdu. Bah si, t'as perdu. Non, bah, vas-y, mets-toi comme ça là, ça on voit bien. Voilà, bon, t'as gagné. Moi j'ai perdu. Donc du coup, c'est qui va se taper une tarte en... Enfin, une assiette remplie de chantier en pleine figure? Et lui. C'est moi. Allez. Bon. Bon, on va mettre la chantilly. Monte bien l'assiette. Voilà, bon, moi, je commence à me déshabiller. Vas-y. Non, je me déshabille après. Non, tu peux encore en mettre plus, hein. Encore? Ben oui. Mais pourquoi je dis ça? C'est moi qui... Petit striptease, hein. Allez, t'as de la chance, Amélie, hein. Bon, j'enlève aussi, ben... Attends. Là, je vais mettre un truc, monte 18, là. Alors, pas trop fort pour éviter d'en gicler partout, mais... Voilà. Ouais, c'est bon. Ça tombe. Mais non, tu m'as dit... On dirait de la mousse à ras. Bah remets, allez, vas-y. Hein. Ça tombe. Ah, faut pas que ça tombe sur moi. Hein. Attends, il y en a encore. On dirait de la mousse à ras. Oh non, tu vois là. Non, mais c'est bon là. Stop, sinon je te mets un peu, tiens. Arrête, c'est bon là. Bon, bah voilà. Bah là, tu peux me lécher partout si tu veux. Non, pas. Bon, bah les amis, j'espère que cet épisode de Jojette vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos, ben mettez un commentaire en vidéo et donnez le nom du jeu que vous souhaiteriez qu'on joue avec. Et puis voilà. Allez, moi je vous dis salut. Salut. Maintenant je vais prendre une bonne douche.